Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Jacinthe. Bonjour. Alors Jacinthe, c'est ma décoratrice d'intérieur avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant, qui m'a fait plusieurs réalisations de biens, pour moi-même et pour des clients aussi de projets locatifs. Donc j'ai le plaisir de vous la présenter, je vous retrouve tout de suite après le jingle. À tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue à tous, bienvenue à Jacinthe. Merci. Voilà, qui va nous parler un petit peu de son activité de décoratrice d'intérieur, puisque voilà, j'ai fait appel à ses services plusieurs fois et franchement je suis très très satisfait de tout ce qu'elle peut apporter pour moi, pour les clients et pour nous en tant qu'investisseurs. Et donc elle va nous parler un petit peu de son métier, voilà, nous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'elle peut apporter finalement à nous en tant qu'investisseurs sur l'aspect décoration et ameublement. Donc, bienvenue à toi. Merci. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ton activité de décoration? Ça consiste en quoi, en fait? Quand on appelle une décoratrice, comment ça marche? Tu viens sur place? Enfin, comment ça se déroule un petit peu, en fait, quand on prend contact avec toi? Alors, je vais surtout parler pour les investisseurs, puisque voilà. C'est ce qui nous concerne. Voilà, absolument. Yes. Donc, pour tout ce qui est investissement locatif, pour les investisseurs, en général, on me contacte au début de l'acquisition du bien. Ok. Bien souvent, les appartements sont dans un état brut, pas terrible. Voilà, il y a du travail à faire. Ouais. Donc moi, je viens avec les artisans, on se rencontre et on fait un petit peu le bilan, voilà, le bilan de ce qu'il y a à faire. Ensuite, ouais. Moi, de mon côté, j'établis un petit peu la... Enfin, je fais l'étude du projet, voilà. Ouais. Okay. Et je mets en place tous les choix de matériaux pour les cuisines, salle de bain, les sols, la faïence, le carrelage, les choix des ambiances couleurs. Et après, je détermine une thématique par rapport à l'appartement, ce qui m'inspire, ce que... Oui. Voilà, ce que... Oui. La créativité... Tout à fait. Laisse ressortir, voilà, c'est émerger. Ça, c'est ça. Donc, ensuite, suite à ça, voilà, donc il y a le devis aussi, évidemment, qui accepte. Hein. Et puis, viennent les travaux. D'accord. Okay. Avec les artisans. Donc, il y a toujours un petit laps de temps entre l'acquisition du bien, les travaux et la mise en place de l'appartement, oui, du mobilier. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Toi, tu arrives un peu pendant et après, à la fin pour la partie ameublement. Au début et à la fin. Voilà. Voilà. Je suis la dernière chaîne du maillon. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs étapes possibles en fait dans ton métier. Il y a la partie décoration, peinture, puisqu'on a fait des projets d'ailleurs sur du non meublé aussi. Non meublé, oui. Donc là, c'est des choix de matériaux et de couleurs uniquement. Et là, c'est vrai que c'est aussi très intéressant parce que on se rend compte de la complexité de choisir une bonne couleur au bon endroit, suivant la disposition, etc. Tout ça selon aussi. L'orientation de la pièce, la c'est luminosité, voilà. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Absolument. Et voilà, c'est vrai que je me suis rendu compte que la décoration, c'était un vrai métier. Ça demandait tout un tas de compétences, de connaissances que moi je n'avais pas, puisque c'est vrai que je faisais de la décoration. J'appelais ça de la décoration, mais c'était pas vraiment de la décoration. C'était pas mal. C'était un style qui m'appartenait, classique, mais ça suscitait pas le coup de cœur, quoi. Voilà. Et donc effectivement, la bonne couleur aux bons endroits, avec le bon matériau, avec la bonne texture, la bonne forme, etc., etc., la bonne orientation. Il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte pour que ce soit harmonieux et que ce soit agréable, quoi. Exactement, tout à fait. Donc voilà, donc il y a cette partie là et après il y a la partie ameublement aussi. Donc ça, c'est voilà, et quand on va plus loin dans la partie décoration, c'est ça, pour le complet, quoi. Enfin, prestation complète, voilà, du début à la fin. Firme. C'est ce qui a été fait d'ailleurs pour moi. Et d'ailleurs, je t'en remercie parce que ça a été vraiment, vraiment top. Moi, merci. Ça m'a soulagé complètement. Tu as géré avec les artisans, tu t'es coordonné. Il y a toujours des petits couacs sur les travaux, il y a toujours des petits trucs. Donc, on n'a pas trouvé ce matériau, on n'a pas cette couleur, ou il manque un truc, enfin un machin. En plus, là, c'était en période de confinement, donc ça a rajouté cette difficulté supplémentaire. Oui. Mais moi, j'ai presque entendu parler de rien et c'est vrai que là, je suis là pour réceptionner, c'est magnifique. Et donc voilà, donc moi, en tant qu'investisseur, ça me fait gagner beaucoup de temps. Oui, oui, c'est sûr. Donc, par rapport à ce que tu fais, par rapport aux investisseurs, qu'est-ce que ça
leur fait gagner en fait, quels intérêts ils vont avoir à passer par une décoratrice d'intérieur en fait? Ben, l'intérêt c'est de se démarquer, voilà. Ouais. Se démarquer et en se démarquant, avoir peut-être plus le choix, plus oui. de... plus, ah oui, plus, plus de locataires. Plus de locataires. Oui, exactement. Et cibler un peu aussi, choisir les personnes qu'on veut mettre dans son appartement, parce qu'on a le choix. Donc c'est valoriser son appartement et se démarquer. Et louer plus vite, plus longtemps. Et pourquoi pas peut-être un peu plus cher. Si, c'est forcément un peu plus cher, c'est évident. Donc là, pour mon cas, effectivement, l'appartement a été loué à un ingénieur avant qu'il soit terminé. Donc pour la catégorie socio-professionnelle. Et après, effectivement, en termes de tarifs, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, on regarde un petit peu le ratio retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on regarde combien ça nous coûte. Il faut que ça nous rapporte à peu près, dans les 10%, on sait qu'on est gagnant en financement. On sait qu'on a un meilleur retour que ce que ça nous a coûté mensuellement. Ouais. Donc, effectivement, l'aspect décoration permet d'avoir un ratio supérieur à ça. Et donc, il n'y a pas à hésiter. Il faut amener cette touche décoration, cette plus-value et... se démarquer, quoi. Tout à fait. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de logements à louer, tout ça. Donc, on monte de plus en plus en gamme. Et là, c'est vrai que par rapport à ce qu'on propose, si moi, j'arrive pas à louer, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui arriverait à louer. Oui. Donc, ça apporte une certaine sécurité aussi. Mmh. En tant qu'investisseur, on est serein parce qu'on sait que, on est dans le haut du panier des logements à louer. Voilà, on fait de la qualité. C'est important aussi. Voilà, tout à fait. Donc après, combien ça coûte de passer par une décoratrice d'intérieur? Parce que du coup, je pense que vous allez vous poser la question. Est-ce que, pour l'aspect décoration et pour l'aspect ameublement, parce que toi, c'est souvent d'ailleurs comme ça, je pense, les décoratrices, il y a plusieurs prestations possibles. Oui, il y a la prestation de service, en fait, et puis la prestation avec l'ameublement, où on va faire de l'achat-revente. Voilà, tout à fait. Donc, il y a la prestation où, par exemple, tu vas partir sur un appartement nu, tu vas faire de la location nue. Moi, je vais venir et je vais choisir les couleurs, les matériaux. Ouais. Ça, c'est une prestation de service. Et après, vient la prestation avec l'ameublement. Donc là, ça engendre de l'achat-revente. C'est différent. Il y a toute une organisation là, quand même. C'est différent. Il y a beaucoup de travail, Mais disons que sur une prestation, par exemple, sur un T2, avec l'ameublement, la prestation de service, le montage de meubles, la mise en scène, enfin le pack complet, on est aux alentours de 10 000 euros. D'accord. Après, ça dépend du type de l'appartement. Il y a beaucoup de paramètres. C'est au cas par cas. Mais c'est à peu près ce que ça vaut. Pour avoir vraiment, là, on s'occupe de rien. Tu viens, il y a la réunion de chantier. Hop, avec les artisans, ça se coordonne. Tu réceptionnes les meubles, tu les montes, tu les mets en place. Tu fais passer un photographe pour prendre les photos. Oui. Enfin, c'est vraiment le truc complet où on n'a rien à faire. Oui. D'accord, ok, ça vous donne déjà un ordre d'idée. Et après, il y a la prestation peut-être à l'heure pour les conseils aussi, peut-être déco, tout ça éventuellement. Ça c'est encore autre chose. Donc maintenant, tu quittes notre région et tu vas où maintenant justement pour continuer ton activité? Alors je pars dans les Landes, Pays Basque. D'accord, très bien. Du côté de Biarritz. Parfait, donc si vous voulez contacter Jacinthe, je vais vous mettre son lien dans la description. Le mieux pour te contacter, c'est quel support? Instagram et à venir mon site internet qui figurera sur mon compte Instagram. Je vous mets le compte Instagram de Jacinthe. Et comme ça, si vous voulez la retrouver, lui poser des questions. Avec plaisir. Toi, tu fais des prestations donc sur la région des Landes et Bayonne, Et après, à distance avec un système de shopping list. D'accord, voilà. Donc si vous êtes à distance, ça peut vous fournir toute la matière pour pouvoir, juste après, ce sera juste les achats, réception de meubles. C'est ça. D'ailleurs, là-dessus, par rapport à l'organisation, tu as une astuce par rapport à ça pour réceptionner les meubles, pour commander, pour gérer un petit peu tout ça? C'est une sacrée organisation. Ouais. Alors, moi, je suis une femme, je travaille souvent seule. Donc, pour tout ce qui est lourd, je me fais livrer. Ouais. Je commande, je fais livrer. Sinon, après...
Ben, c'est-à-dire que non, en fait, ce que je voulais dire, moi j'aurais dû le dire d'ailleurs, c'est que ce qu'on peut faire, on l'a pas fait comme ça, mais j'imagine pour tous ceux qui vont faire des projets à distance, ils pourront se faire livrer les meubles, ben, j'allais dire pendant les travaux, dans un coin, peut-être d'une pièce, les artisans peuvent réceptionner les meubles et vous pouvez convenir avec vos artisans de faire le montage de meubles, par exemple. Oui, oui. Trouver une astuce comme tout ça pour que vous puissiez arriver à gérer quand tout même de manière passive le truc. Oui. Donc vous avez juste à commander, tu donnes la shopping list, eux c'est ils ça, achètent. C'est ça. J'établis une liste d'achat avec, on établit un peu une ambiance. Ouais. Après, donc sur cette liste, je mets les photos, les articles, le lien, le prix. Vous cliquez sur le lien et ça vous dirige directement sur le site où vous pouvez commander. Super. J'essaye bien souvent de cibler 3-4 enseignes pour pas que ça parte dans tous les sens parce qu'après ça devient compliqué. Oui. Et comme ça, au moins au niveau des livraisons, quand on a plusieurs articles dans la même enseigne, on se fait livrer en une fois et c'est bien plus pratique. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, oui, après reste le montage de meubles. Il peut y avoir aussi une petite fiche technique avec, par exemple, la décoration, mettre le tableau sur ce pan de mur. Ouais, très bien, super. Voilà, mettre cette couleur. Il y a aussi les couleurs qui sont réalisables sur plan. Ok. Okay. Enfin, c'est-à-dire que vous m'envoyez les plans de l'appartement avec l'orientation et tout ça, et moi je peux définir le choix des couleurs à distance. Voilà. La seule chose qui change, c'est que je n'interviens pas et sur les achats et sur le montage de meubles. Voilà. Oui, voilà. Ouais, tu donnes tout pour que la personne puisse le faire parce que tu es pas sur place, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est ça. Ça peut être comme ça à distance, tout à fait. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un petit conseil pour améliorer la décoration pour nos investisseurs là qui nous regardent et qui ont envie d'essayer d'apporter une touche déco? Est-ce que tu as un conseil à leur donner de base pour la déco? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, mais tu peux donner un petit conseil de base pour pas trop faire de grosses erreurs? Oui. Ben, moi, mon premier conseil, c'est quand même toujours de cibler la qualité. Voilà. Ouais. Et oui. On peut trouver des choses abordables mais de qualité. Il faut chercher, faut se donner les moyens de trouver les petites choses. Voilà. Donc la qualité, ça c'est super important. L'autre chose, c'est choisir des objets dans la tendance. Voilà. Oui. Ça c'est important. Et oui. Donc les objets dans la tendance, ben bon, on a quand même beaucoup de boutiques. Pinterest est une bonne source d'inspiration. Les réseaux sociaux, Instagram. Enfin, on peut quand même en cherchant un petit peu. S'inspirer. Voilà, absolument. Ok. Voilà, et puis après, partir, pour ceux qui sont le moins à l'aise sur les couleurs, partir sur des tons neutres. Oui, et voilà. Aussi, bien souvent sur les nuanciers, si on suit un peu le nuancier, il y a du plus clair au plus foncé. Oui. Et souvent, c'est des palettes de couleurs qui vont ensemble. Voilà. Ok. Mais j'en dirai pas plus parce que sinon. N'explique pas tout. Non, pas tout. Mais c'est vrai, comme tu dis, la qualité, on en revient. Là, c'est alors, c'est vrai qu'en termes de prestations, ça peut paraître un petit peu cher. Quand elle vous a dit 10 000 euros pour un T2, tout compris. Mais voilà, c'est des meubles quand même qui sont de qualité. Ça, c'est un canapé convertible que tu as acheté à Maison du Monde. Ouais. Et à chaque fois, dans toutes les pièces, il y a comme ça, il y a des pièces comme ça qui sont. La literie en haute qualité. Aussi de qualité. C'est hyper important. L'électroménager. Parce que dans les 10 000 euros, il y a l'électroménager. Voilà, c'est avec pareil, le lave-vaisselle, le lavage. Non. En fait, ce que vous allez économiser au début, vous allez le payer après parce que ça va tomber en panne. Vous allez avoir un problème, le locataire va falloir changer le matériel, etc. Un truc qui va casser facilement. Et au final, ça va vous épuiser. Donc moi, maintenant, effectivement, comme je développe un patrimoine de plus en plus important, je cherche la tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit, elle passe par, il n'y a pas le choix, par de la qualité et par un tarif un petit peu supérieur. Et donc voilà, donc moi, j'achète ma tranquillité, ma sérénité d'investisseur qui me permet de continuer mes investissements. Donc, merci pour cet échange. Merci à vous. Avec plaisir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. Ça m'encourage à continuer à développer ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, mais comment ça se fait? Enfin, abonnez-vous, c'est essentiel. Voilà, pour être prévenu des lives, parce que je fais des lives de plus en plus régulièrement. Vous avez vu, je fais des lives dans différents formats. Je prends des auditeurs en ligne. Je me rends sur place aussi dans mes investissements. Je vous fais des lives dans mes investissements. Comme ça, on décortique tout ensemble. Où je fais des études de projet aussi, où je vous montre, je décris financièrement le projet, enfin, etc., etc. Abonnez-vous, vous serez au courant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.